Aucune difficulté, jamais. Vraiment, j'ai dit je veux faire du cinéma, et une seconde après, c'était bon. Non, je rigole. J'ai commencé le théâtre à l'âge de 7 ans, grâce à ma disgrâce. Parce que j'étais nulle en danse et en gym. Le mercredi, on m'a mis à la danse et à la gym. Et j'étais nulle. Et un jour, mon grand-père, il a eu la bonne idée de dire, mais elle devrait faire du théâtre. On m'a mis sur un plateau de théâtre et j'ai dit, waouh, j'aime être là. J'étais petite, mais je me souviens. Et du coup, le cinéma, j'ai vraiment, je ne savais pas trop ce que c'était. J'allais voir des films, mais vous savez, je suis dans les années 80, moi. Et je voulais pas vraiment, je comprenais pas trop. Quand j'ai vu E.T., c'est vraiment le film qui m'a bouleversée. J'ai dû pleurer, sortir de la salle parce que je pleurais trop. Et je pensais que les gens filmaient comme ça au-dessus et que si je me comportais bien, on allait aussi me filmer. Que j'allais être comme dans un film, quoi. Après, j'ai compris que non. Et puis, j'ai traversé la vie, j'ai toujours fait du théâtre. Non, et du coup, voilà, pour dire que le monde du cinéma, je pense que c'est un monde que je connais pas, que je connaissais pas. Mais ce que je trouve génial, c'est de... Je suis un peu comme vous, j'avais envie de faire du cinéma. J'ai vraiment eu la chance de faire des rencontres. Je m'en suis sortie. Ah, bah là, ils font chauffer du thé. Enfin, oui. Non, vraiment, ce que j'ai eu comme chance, c'est de rencontrer des gens comme vous. Quand j'étais plus jeune, j'étais étudiante, j'étais fan de Charlotte Gainsbourg. Je l'ai attendue dans un cinéma d'art essai. J'étais là, on sait jamais. Je lui ai donné une lettre. Bon, elle m'a jamais répondu. Mais je l'ai croisée il n'y a pas longtemps parce qu'Yvan Attal, il m'a remis le prix Barrière pour un film que j'ai réalisé. Et donc, je lui ai raconté l'histoire et elle trouvait ça trop mignon. C'est pour ça que quand vous m'avez écrit, j'ai dit, je veux absolument les voir. Et des fois, c'est pas moi qui fais mon Instagram, mais j'ai dit, non, mais elle, je veux lui répondre, ils sont trop mignons. Mais parce que j'ai tellement peu de fans. Quand j'en ai, je les garde. Oui, Lucas Dont, jury, c'est pour ça que je l'ai tagué. Je dis, le pauvre, il est jaloux. Donc voilà, c'est comme ça qu'on intègre le monde. Je crois que c'est juste si tu en as vraiment très envie dans ton cœur. C'est tellement long comme métier. Tu vois, pour moi, les métiers les plus difficiles, c'est médecin, infirmière, ça, c'est des tas d'études. Et tu sais pas comment tu vas être, tu sais pas comment tu pourras. Le cinéma, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, tu nous rencontres, vous êtes au Festival d'Angers, vous avez l'air super motivé. Et je sais que vous allez faire votre vie, quoi. Vous ferez tous du cinéma si vous en avez encore envie dans 5 ans. Ou du théâtre, hein, ou autre chose. La vie est très diverse. C'est une bonne question. Mais comme j'ai été beaucoup de fois, plus de fois filmée, et pas encore assez derrière la caméra, je ne sais pas vraiment si je peux répondre aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que j'adore jouer. Donc être devant la caméra, c'est plus facile. Tu vois, là, tu me filmes. Après, j'ai terminé, je vais aux toilettes, je vais faire ma vie. Quand tu réalises, tu écris, ça m'a pris 7 ans. Tu dois rencontrer des gens comme Claude Barras, tu vois, qui a fait un film d'animation. Le pauvre, il est suisse, tu vois. Et ça, tu es obligé parce que tu es réalisateur. Et que tu es obligé de faire semblant qu'il ne t'écoute pas. Alors qu'il est super gentil. Et il se demande pourquoi je... Non, mais voilà, ça, c'est vraiment des metteurs en scène pour moi. Blague à part, Franco Loli, qui avait fait des gens de bien. C'est la première fois que je suis derrière la caméra. Enfin, j'ai fait des courts-métrages, mais... Je me sens... J'essaie de plus me dire que je suis une imposture, parce que je sais qu'il ne faut pas penser comme ça, mais... Quand je joue, je me sens à ma place, je suis contente quand j'ai passé des essais, je me dis j'ai travaillé pour ça. Et pour l'instant, derrière la caméra, je débute. Et j'aime beaucoup l'équipe et le collectif. Et ce que j'ai vraiment préféré dans être derrière la caméra, c'était de rencontrer tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai eu une équipe incroyable, Evangelo, chef opérateur, Manu Chouvini, enfin, ils étaient tous géniaux, tous. Et ça, c'était... Alors, quand on est comédienne aussi, on a toute l'équipe, sauf qu'on est plus isolé. On vient, on fait notre scène, on s'en va. Et c'est vrai que participer à tout le processus, c'est quand même très chouette. Ouais, très. Oui, je suis très, très, très touchée d'être ici, très honorée. J'ai essayé de pas me sentir... pas Christophe Honoré, hein. Ma blague préférée, je l'ai fait 15 fois, elle gêne tout le monde. Merci. On aime cette blague. C'est un honneur parce que j'ai jamais fait partie d'un jury de long métrage. Et là, c'est un très gros festival. Je me sens un peu en manque de connaissances, mais je suis trop fière et trop touchée. Et c'est trop chouette. J'ai rencontré, blague à part, Franco, Claude, mais tout le monde est vraiment super chouette. On est choyés en plus. Merci à Claude-Éric Poiroux, à Olivier Gontron, à Manon, enfin vraiment, et à vous. Non, mais c'est vrai, les festivals, ils existent parce qu'il y a les gens qui viennent.
Le seul conseil, c'est vraiment justement d'écouter aucun autre conseil que les vôtres, ceux que vous avez dans le cœur. Le reste, c'est des conseils pas terribles. Alors, le tournage, exactement, le nombre de jours de tournage, c'était 42. Mais normalement, il aurait fallu beaucoup plus parce que j'ai tourné avec beaucoup d'enfants et que la réglementation pour les enfants est très stricte. En France, avec la DAS, c'est normal. Les enfants ne peuvent pas tourner beaucoup. Et c'est normal parce qu'un enfant de 3 ans, il va avoir un temps de concentration, un peu comme Nina Meurice, par exemple, qui est limité, si tu veux. Tu vois ? Et Nina Meurice, qui aura sûrement l'Oscar, je dis du bien de toi. En fait, un enfant de 4 ans, il a le droit, par exemple, de tourner une heure dans la journée, d'accord ? Donc, ce qui fait que, voilà, et l'actrice principale qui joue, qui est en révélation César, Céleste Brunkel, qui est incroyable, qui est géniale, on a tourné l'été, en août. Là, elle avait le droit de faire peut-être 6 heures dans la journée. Et à partir du moment où elle a eu 16 ans, là, la loi est plus souple, elle avait le droit à 8 heures. Et donc, en gros, on a essayé vraiment de faire en sorte, comme elle est de tous les plans, que je voulais vraiment que le film ce soit de son point de vue toujours, elle est de tous les plans. Elle ne voulait même pas avoir de doublure ou parfois une amorce, etc. 43 jours. Donc en fait, c'est à la fois beaucoup par rapport à certains films aujourd'hui. Il y a des longs métrages qui se font en 3 semaines et d'autres, voilà. Et en même temps, ce qui était super, c'est d'avoir les contraintes de temps. Parce que les contraintes, finalement, c'est... Sur le coup, ça me déprimait, mais j'ai trouvé que les contraintes m'ont aidé à faire des choix plus forts que ce que j'aurais fait initialement. Alors, en Charente, en Poitou-Charente, j'avais l'aide de la région. La principale, on a donc tourné à Angoulême, tout ce qui est les intérieurs, les rues d'Angoulême. On a tourné à Cognac, à Jonzac, à Ségonzac, donc vraiment dans tout département, voilà, et pas loin d'ici. Et puis l'école de cirque qui est dans le film, quand tu verras le film, c'est à Châtellerault. Non, mais je te charrie, je m'en fiche. À Châtellerault, parce que je voulais justement être dans une vérité par rapport à tous les circassiens qui sont dans les scènes. Et donc on a tourné à Châtellerault, dans une école où j'étais venue 3 ans avant faire des repérages pour l'écriture, pour apprendre ce que c'était le cirque, parce que moi j'ai jamais fait de cirque. Et je voulais justement faire un personnage, comme c'est d'après mon histoire, absolument pas collé à moi en tant que comédienne, et prendre quelqu'un qui était circassienne. Alors moi, ma carrière, elle est faite. Je viens d'acheter pour 1 € symbolique une carrière dans l'Hérault, d'où je viens. Et en fait, il y a un tailleur de pierre. Et ça, c'est vrai. Et en fait, les carrières de tailleur de pierre, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'artisans de tailleur de pierre. Et tu peux participer au patrimoine. Et pour 1 €, j'ai un endroit où je peux aller. Et vraiment, en ce moment, j'ai envie de faire ça. Donc, je me repose. Je reviens à la vie réelle. Je reviens à la vie familiale, les enfants, tout ça. Ça, c'est important. Et puis j'ai de la chance de tourner dans le premier film de Muriel Magellan, qui est une auteure, d'après une bande dessinée de Pénélope Bagieux, La Page Blanche, oui, avec Sarah Giraudot. J'ai un super personnage, j'adore. Et aussi avec Pierre Deladonchamp et Grégoire Ludic. Et Olivia Cotte. Et après, le casting est en train d'être fini. Et ça, on commence mi-avril, donc ça, c'est trop bien. Je regarde la caméra ou je regarde vous ? Ah ouais, d'accord, on n'a rien à foutre en fait. Les étudiants, on n'a rien préparé. 3 jours qu'elle est morcelle, ils n'ont rien préparé. Mais je rigole. Tu veux que je m'assoie comme ça ou au fond pour le cadre ? C'est parti. Action. Tu fais ton clap, attendez. Bonjour mademoiselle. Franco, je suis en pleine interview. Excusez-moi. Ah, Rachel, bonjour. Excuse-moi, je ne peux pas faire l'interview des étudiants parce qu'il y a Franco et Claude qui font que de me gêner. Il y a mon attachée de presse préférée qui s'appelle Rachel Bouillon. Regardez comme elle est belle avec sa broche. Vous pourrez couper au montage, mais c'est une broche qui est vraiment... Je ne sais pas qui t'a offert ça, mais bravo. Il y a des gens qui ont du talent. C'est moi qui l'ai offert. Et j'ai vraiment... Non, mais vraiment, on ne peut pas s'entendre, en fait. Franco ! C'est dingue. C'est impossible. Excusez-moi, vous ne voulez pas venir faire l'interview classe, parce qu'on n'entend rien. Ils disent que je suis handicapée sur la photo. Et vous voyez, ça les filles, je vous conseille quelque chose dans le cinéma, vous qui êtes étudiant, ne mettez jamais des étiquettes et des termes. Qu'est-ce que ça veut dire handicapé ? Ça, c'est ce qu'il a fait, c'est handicapophobe. Des conseils à donner ? Pour les jeunes comme nous. Oui, alors pour des jeunes comme vous, je vais donner un conseil. Nina, viens pour l'interview. Un conseil pour vous, parce qu'elle veut être travaillée. Vraiment.
regardez la carrière de Lina Maurice et ne faites vraiment pas comme elle. Parce que Nina, elle a un talent dingue. Mais viens. T'as quoi? T'as pas sucé? Ah non, mais ils sont jeunes. Hein. Je peux pas dire des mots comme ça. Elle a pas entendu, ça va, elle a pas entendu. Vous avez vu le film? Ok, alors là, j'arrête là, elle a interview. Personne n'a vu mon film, même les interviews qui... Non, ils n'ont pas vu. Mais j'ai regardé toutes les interviews. Mais on s'en fout des interviews. Ce qui compte, c'est le film. Non, je rigole, je te charrie. Je te charrie, vous avez plein de travail. Alors, déjà, je vais avec Claude Barras au ski. Oh, regarde, il y a une photo. Non, mais c'est pas vrai, les gens prennent en photo quand on fait des photos égales. Mais il faut me prévenir, Manon, tu me préviens. Alors Manon, elle me dit, oui, tu peux aller te faire chez le coiffeur, mais pour me dire ses horaires, elle me... Non, mais Nina, regarde toutes les photos, c'est pas possible. J'ai mis ça pour vous, les filles. Pour votre interview. Parce qu'il y a écrit « Oh my God » et comme je suis pas du tout bilingue. Elle est amoureuse de moi. J'ai de la chance. Tu pourras écrire à Lucas Dont quand tu le crois ce soir, parce que comme personne ne me reconnaît dans la rue, il ne me croit pas, lui dire que vraiment, toi, tu es même bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est super. Tu pleures? Non. Tu peux pleurer, hein? Pourquoi tu ne peux pas pleurer? Je ne pleurerai pas. Pourquoi? Tu as pleuré hier soir, moi aussi. Mais j'ai pas compris pourquoi vous avez autant pleuré hier soir. On était tellement éloignés. C'est super émouvant pour nous. Mais vous êtes tellement shoot. Mais bien sûr, un petit câlin. Alors, et vous faites quoi alors? C'est bon l'interview ou il faut arrêter? Elles sont trop mignonnes. Elles ont pleuré parce que je leur ai... Je sais pas. Mais tu as le droit de pleurer. C'est le... Alors, je vais te donner un seul conseil de vraie vie.